Merci beaucoup pour cela. Hop. Compte rendu des correctifs, c'est-à-dire patch. Oui, je vois. Très bien, très bien. Merci pour tous ces correctifs, monsieur. Eh bien, c'est parti pour jouer. Bourbaki, merci beaucoup pour les 14 mois d'abonnement. Merci pour ça. Et merci beaucoup à toi, Jérôme, une fois de plus. Alors, du coup, j'ai 4 emplacements de sauvegarde. Mode infernal. Choix définitif. Non, ça a aucun intérêt si tu découvres le jeu. Cocher le mode infernal quand tu découvres le jeu, c'est juste avoir des problèmes d'ego. Alors. Au niveau du son, est-ce qu'on est bon? Non, faudra voir en combat. Là, c'est une cinématique où le mec il chuchote. Faudra voir les bruits des armes, les bruits des combats, etc. Ok, premier stream Hades à la souris que je vais voir, je me demande ce que ça va donner. Ah ouais, ils jouent tous à la manette? Ah non, moi jamais, jamais sans mon clavier souris. Alors comment tu te déplaces? Va falloir voir en fonction des commandes. Là, j'imagine que c'est ma barre d'HP. On est dans une ambiance des enfers, de la terreur, de la nuit. On est un mec musclé avec une épée. Attends, quoi? Ah d'accord, là j'ai perdu mon joyau. Ah d'accord, là je l'ai récupéré. Ah d'accord. Bon, faut voir au niveau des commandes. Alors, commande. Le ZQSD il marche pas là. Alors, ZQSD il est bon. Ok, donc là, attaque, clic gauche, lancer, clic droit, élan, espace. Oh bon Dieu, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Technique, appel, invocation. Où est-ce que je pourrais les caler? Je pourrais les mettre en 2-3-4. 2-3-4. Ok. Technique sur A, tu penses? Ouais, c'est vrai que je peux mettre un truc sur A si je joue en ZQSD. Je sais pas, on va voir comme ça qu'on pour le moment. De toute manière, ça va être amené à changer beaucoup de fois. Les paramètres, faut que je prenne en main. Ok, donc là. Oh oui. C'est un jeu qui est pensé console ou pas? Parce que j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui soit pensé PC. Alors on slice des esprits. D'accord, donc quand tu spammes les coups, ça fait un enchaînement. Et si tu... Je veux voir si par exemple... Donc là tu spammes ton clic, là ça fait l'enchaînement. Et si je mets un coup et que je me déplace? Non, ça va pas garder le truc en mémoire. Et si je fais tac? Ok, là j'ai pu le faire en avançant un peu. Je mettrais bien le volume un peu plus fort. J'avoue, mon perso il est en train de faire des cleaves là. Voilà. Voilà, j'ai mis sur 15. Ah d'accord, il y a plein de petits pots à casser. Il faut tout casser en fait. D'accord. J'imagine que si on peut le détruire, il faut le détruire. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que là. Oh oui. Et en 2, 3, 4 du coup. Alors j'ai pas la moindre idée de ce que ça fait, c'est peut-être juste une attaque de zone, peut-être que ça fait des trucs. Le 2 c'était considéré comme technique. Appel. Mon appel fait rien pour le moment. Et mon 4 non plus. Bon, espace et deux marches, mais c'est tout. E continuer, classique. Alors si c'est un RPG avec barre d'XP et tout, je sais pas où elle est. Mais j'imagine que vu que je vois pas ma barre d'XP directement sur l'écran, il n'y a pas de système de barre d'XP ou quoi. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, je pensais que c'était un boss, mais non, c'était juste un mob. Ok, on ramasse des petites pièces d'or.
Ok, on tabasse des créatures des enfers. Je fais bien attention aux zones parce que, ouais, tu vois, les zones sont petites. Les décors sont destructibles. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les détruire? J'en sais rien. Quand il y a des trucs qui tombent du plafond comme ça, j'ai l'impression que ça va me mettre des dégâts, mais en fait ça ne me met pas de dégâts. La voilà, acceptée. Ok. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Ok, on parle à Athéna. Ah, bienfait d'Athéna, choisissez un bienfait, voilà. D'accord. Frappe divine, votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Dégâts d'attaque plus 40%. Tir de phalange. Votre lancer inflige des dégâts de zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire. Alors je veux bien, mais c'est quoi mon lancer? Ah, c'est peut-être mon clic droit que j'utilise absolument jamais? Ouais, y a moyen que ce soit ça. Élan divin. Ouais, c'est ça, c'est mon clic droit. C'est mon clic droit. Là, du coup, c'est mon clic gauche. Et ça donne des dégâts d'élan. Je pense que je vais prendre frappe divine pour le moment. Allez, on va prendre frappe divine. Ok, ça c'est un piège. Est-ce que j'ai une régène de vie passive? Non. Je n'ai pas de régène de vie passive. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, ça on peut pas l'attaquer. D'accord. C'était un truc qui allait exploser. Merde, j'ai le temps de prendre le truc. Backseat interdit. Je sais pas. Essaye et vois. Fais un die in retry sur le chat. Oh bordel, je prends des dégâts. Oh bordel, je suis presque mort. Et je ne me régène pas en frappant. Récolter plus 10. Ok, c'est une monnaie qui me servira à acquérir quelque chose, je sais pas quoi. Par contre, j'ai perdu énormément de points de vie. Ça sert à quelque chose que je casse les. Les ça là ou. Merde. Ok, ça sert à rien du tout. Merci. Par contre, je suis extrêmement low life, je suis doomed là. Parce que je pourrais pas régène. Enfin, je vois rien qui me permet de régène jusqu'à présent. Ok, j'essaie d'utiliser un petit peu plus mon clic gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Faut aller par là? Ah, d'accord. J'avais l'impression qu'il popait à l'infini, mais non, j'avais une zone à vider. Frappe divine niveau 1, niveau 2. D'accord. J'ai gagné 16% de dégâts, si j'ai bien compris. Et là, je dois aller par là? Non, pas par là. Ah, par là, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces mobs? Bordel, j'ai 6 HP. Je suis si doomed. Ça, j'imagine que. Ok. Ça indique par où ils vont arriver. Bon, y a aucune chance que je survive. J'ai 6 HP, bordel. Ok. J'ai encore gagné un truc. Par contre, j'ai 6 HP. Y a rien pour régène? Genre, c'est un pur die in retry et du coup là je suis doomed? Parce que si c'est le cas, je suis fini là. J'ai pris full dégâts, genre le premier vrai stage. Ah. Il n'y a aucune issue.
Et du coup, il se passe quoi maintenant? Tu retournes au tout début? What the fuck? I'm home. La maison d'Hadès? Yes, carry on everyone, don't mind me. It's no use. Not a chance. Back already. What the fuck? C'est incroyable comme ambiance. Monsieur Hadès? Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how is your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight. Père. Asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Attends, je suis le fils d'Hadès? You have come home. C'est qui elle? Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. We made contact with the goddess. I believe it, Nex. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them. Yes. Ok. Then go. Ok, l'ambiance est cool. L'ambiance est cool et au final j'aime beaucoup le style graphique. Je pensais que ça allait me rebuter, mais pas du tout. Donc là, c'est où tu reviens quand tu meurs. Qu'est-ce que c'est que ça? The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him, but to his. En vrai, il est incroyable le temple d'Hadès là, son repère ou je sais pas quoi. You know I can hear you, old man. Il se met tellement bien, Hadès. Il est tellement cool. Regarde-le, quel méga Chad. Il est là, hard bodybuildé. Gère ses petits papiers avec son chien super cool à côté de lui. Tiens, lui, on peut lui parler. Oui, je sais que c'est Cerbère, les collègues. Ouais. Caresse. On peut pet the dog. On peut pète Hadès? On peut pète Hadès? C'était pas une blague? There's a good boy. Your fortunate server sees something in you. Pète Hadès, pardon, pète Cerbère. Attends, il se passe quoi si je le pète plusieurs fois? Go pète Cerbère, pète the Cerbère. D'accord, ça fait toujours la même chose. Get-le, il est trop content. Attends, mais il faudrait donner de l'amour aux autres têtes aussi. On peut pas caresser un peu les autres têtes? Here boy, just as long as one of your three heads enjoys these pets. Merci Nari, merci beaucoup pour les 3 euros monsieur. Oh, ça peut m'arriver des fois, tu sais. Mais c'est très rare. Putain, j'en reviens pas, on peut pet the Cerbère. Hey room, I'm back. Servez-vous du miroir pour gagner en puissance. Le miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu gagnes en puissance tellement t'es cool. Elle est incroyable sa chambre. Regardez-moi la taille de ça. Par contre, c'est une honte, c'est un mauvais garçon. Je veux dire, si j'avais la chance d'avoir une telle chambre avec Hadès en papa, je rangerais un peu mieux tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des livres ouverts par terre, des tas de fringues. C'est du grand n'importe quoi, il y a un énorme manque de respect. Le coffre qui déborde, c'est mis n'importe comment. C'est un mauvais fils. Si un jour j'ai un fils et qu'il ait une chambre comme ça, il se passera des très mauvaises choses. Contemplez. Night and darkness guide me. Présence sournoise, vitalité stonienne, refus de la mort, réflexe aiguisé. D'accord, là c'est avec mes petits points. Montre-nous ta chambre. Eh frérot, j'ai absolument rien à reprocher. C'est clean de chez clean en permanence chez moi tout le temps. Je suis un petit maniaque. Alors, présence sournoise, qu'est-ce que ça fait? Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez les ennemis par derrière. Non, ça me parle pas. Ça se dit ctonienne.
D'accord. Restaurez une petite fraction de vos PV lorsque vous quittez votre chambre. Plus 1 par niveau. Quoi? Je comprends pas l'intérêt. Parce que là, du coup, je vais revenir full life, non? Je suis pas sûr de comprendre à quoi ça sert. Ah! Une chambre, pas votre chambre. My bad. Bah, on va prendre ça. J'imagine que c'est la seule forme de sustain que je peux avoir. Et on va prendre ça aussi pour le moment. Ok. Y a un truc qui me permet de voir une sorte d'écran personnage, les gens. Paramètres. Non, commande. B pour les bienfaits. Non? Codex? J'appuie sur C et... Non, ça me dit non. C'est pas un RPG. Y a pas de truc qui me perd. Attendez, là par exemple, les trucs que j'ai eu qui boostent ma frappe divine là, je les ai perdus? C'est ça ma question en fait. Genre les bonus que j'ai récupérés là. Je les ai perdus, sérieux? J'ai plus envie de jouer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un arc, une lance et un bouclier. Ah, c'est du roguelike Die and Retry. C'est un peu à la Isaac. Ça tombe bien, j'ai pas la moindre expérience dans ces jeux vidéo. J'ai vraiment pas la moindre, mais alors pas la moindre expérience sur ces jeux vidéo. Pas la moindre. Le truc qui se rapproche le plus de ce type de jeu que j'ai fait de ma vie, c'est Darkest Donjon. Et encore, c'est très différent. Très très différent, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Souvenir. Ouais. Ok. Merci Nari, merci pour les 3 euros. S'évader. Sur le tutoriel, sûrement désactivé. Ah, je suis dans le tuto là! Tartare? Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Look, Okay, your Zeus. father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. He'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on... D'accord, j'ai la bénédiction de Zeus. Ah ouais, là du coup, c'est mes nouveaux trucs. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Oh, ça a l'air tellement OP ça! On va prendre le tir foudroyant. Ah, d'accord, et là je peux voir mes pouvoirs. Du coup, il y a. Ok, ça c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Mais au final, tuer des ennemis, ça ne me rapporte pas d'XP ou quoi que ce soit. Il y a juste des trucs que je récupère. Attends, je sais. Commande. Faudrait mettre un truc sur le molette en fait. Pas élan, ouais la technique. Technique en clic molette serait parfait en vrai. Et on va rester comme ça pour le moment. Élan sur espace c'est bien. Après sur E c'est bien aussi parce qu'en général je mets mon dash sur E. On va le mettre sur E. Merde, non. Sur E. Et l'attaque clic gauche. Ah ouais, mais c'est pour l'interaction. Oh, peut-être rester sur espace du coup. Bon, je sens que je vais me prendre la tête plein de fois pour les réglages. Ah, moi, ça me gêne pas de jouer avec la molette. Ah ouais, c'est vrai que ça sert à rien de faire ça. J'ai commencé clavier, puis je suis passé manette. Ouais, mais même si le jeu est plus adapté manette, ça sert absolument à rien de me mettre une manette entre les mains. Je ne sais pas m'en servir. Du coup, ça aurait même pas d'intérêt. Ah, d'accord, là, c'est les invocations en fait. Merde! Attendez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai. Mon lancer est beaucoup plus instinctif là-dessus. Je sais pas pourquoi. Mais je fais que spammer la molette pour lancer. Ok.
Voilà. Et là, du coup... Et là, du coup, on a un présent. D'accord, on a récolté 10 trucs comme ça, là. Et là, vu que j'ai quitté Droom, je vais regagner un peu de vie. Ouais, ok. Oh, c'est tellement fort! Ça rebondit et tout! Et y'a aucune prise de risque, tu peux démarrer ton attaque alors qu'ils tombent même pas en aggro. C'est quoi ça? Gagner 25 de santé? Oh! What the fuck, c'est incroyable! Attends, là on a deux trucs, faut faire un choix. Ok, chaque sortie a sa propre récompense. Je veux bien, mais comment choisir du coup? Attends, y'a une icône. Ça, ça va me donner des petits trucs et ça, ça va me donner une clé. Je sais pas trop. J'ai pas la moindre idée de ce que je devrais prendre. On va prendre la clé. Et là, du coup, on peut les choper au spawn. Oh là là, mais les rebonds que ça fait. C'est fermé pour le moment. Oh non, j'avais pas mon truc pour eux. Ok, c'est bon. Ok, on récupère la clé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette clé? J'en sais rien. Ça, c'est mon projectile. Ça peut valoir le coup de casser des pots ou quoi? Parce que dans ma tête de joueur de hack and slash, je me dis que faut vider toute la zone, il y aura peut-être des ressources dedans, mais peut-être que ça sert absolument à rien. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais. Faut se familiariser avec les icônes. Ça, c'est un truc de PV, je crois. Okay, je suis pas sûr de... Oh, let's go, je leur mets des coups sur noix. Petit coup dans le dos là. Qui font plus de dégâts du coup. Et là c'est quoi? Ça me permet de gagner de la vie. J'ai 100 points de vie. T'as l'impression que le truc pour péter les jarres c'est le même que Diablo 2? Attends, je vais grandement pencher l'oreille. Non. Non, non. C'est pas le même. Attends. Non, c'est pas le même. Je t'assure que c'est pas le même. C'est vraiment pas le même. Alors. Ouais, il est tellement tanky. C'est quoi ce boss? Attends, mais je crois que c'est vraiment un boss. Il y a une musique et tout. Ah non, c'est peut-être juste des... Le bestiaire qui est devenu un peu plus énervé. Oh non, je suis allé dans le trap. Pourquoi est-il si tanky? Ok, là je prends trop de dégâts, c'est pas bon du tout. Ok, là il m'a pas touché. Merde! Parfois je vais balancer mon projectile alors que je l'ai plus. Là du coup ça nous donne deux clés. Entre ça et ça. Ça c'est un truc de Poséidon. Wow, wow, c'est quoi ça? Putain, c'est des ranges, les salauds. La barre jaune c'est l'armure du coup. Je me fais fumer! Mais je ne vais pas gagner. Je suis finito. Les bombes. Oh, what? J'ai même pas vu l'explosion. Je suis encore mort. Casse les couilles. Freeman, merci pour les 13 mois.
stupid skeleton twins. Putain, ils étaient si rapides et ils avaient tellement de sources de dégâts. Someone's at the desk next to the throne. Là du coup, qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça? Je dois faire ça, retourner ici. Ok, j'ai gagné mes anciens bonus. Donc théoriquement, si tu meurs en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, mais que t'arrives à farmer ça, tu vas gagner de la puissance entre tes trucs. Skip le lore. Non, j'ai pas skip le lore, je suis déjà mort en fait. J'ai déjà vu tout cet endroit là. Du coup, plus je meurs, si j'arrive à acculer des trucs comme ça, je vais devenir de plus en plus fort quoi qu'il arrive. Et là, là les clés aussi, j'ai l'impression que je les garde. Non mais ceux qui... Eux, il n'y avait rien de nouveau, non? What? Ah non, c'est des nouvelles répliques. T'es qui, toi? Rénové? What? Nouvelle chambre? Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Banquette luxueuse. Embellit la galerie près du couloir est. J'ai pas la monnaie qui demande de toute manière. Ça coûte zéro. Nouvelle chambre. C'est gratuit, je devrais le faire ça du coup. J'ai pas à go cliquer là-dessus. Fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the fates. Ok. Et là, j'ai plus de monnaie. Wow, you just got killed by one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Ah ouais, ça évolue. What would happen if you just kind of... Okay. Prince. Et là, qu'est-ce que c'est? Oui, ça on est déjà allé. Écoutez. How goes it, Shanes? Cause du décès, rire. Comment ça, cause du décès, rire? On peut les écouter, eux? Attends, il avait parlé. Parler à qui? Parler... Oh, je... Toi, là? D'accord, nous revoilà ici. Là, il y a mes 5 clés. Qu'est-ce que c'est que ça? Examiner. The chambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray. Oh, come on, it's not that bad, is it? Ok. Et là, du coup, on va retourner. Utilisez vos hop pour déverrouiller une arme. Je ne comprends pas, c'est marqué en rouge comme si je ne pouvais pas alors que j'ai 5 clés, non? I need to track down more cathonic keys. Où est-ce que je peux voir mon nombre de clés? Ah, là? Attendez, il y a quelque chose que je capte pas, là. Là, il y a marqué 3 clés en bas à droite. Mais pourquoi là, il y a ma... Ah non, ça c'est le prix pour déverrouiller des talents, d'accord, j'avais compris que c'était mes 5 clés, mais c'est pas mes 5 clés. Alors, qu'est-ce qui fait le bouclier? Attendez, avant de déverrouiller, je l'aurai pour toujours ou pas? Ou est-ce que quand je meurs, je le perds? Pour toujours? Ok, nice. There we go. Aegis, shield of chaos. Lend me your power. Aegis du chaos. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es qui, toi? Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. Quoi? I don't remember having you on payroll, mate. Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it. If you insist. Yeah. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Mon truc c'est devenu un spamming de coups de bouclier. C'est quoi ça? D'accord, mon clic droit ça fait ça maintenant.
Ouais, c'est un mannequin d'entraînement. Ah ouais. Oups. Il a l'air incroyable le shield. Ah non, c'est pas par là qu'il faut aller. Long way to go. I think I'm ready. Alors voilà. Ah ouais, mais lui on s'en fout. All right, one more time. Ok, c'est reparti. That looks like a Daedalus hammer. Ah ouais! Get out of here. D'accord. Je peux laisser canaliser autant de fois que je veux. Enchantments for my weapon. Assaut fracassant. Dans une zone plus grande. Ok. Je sais pas, on va prendre l'assaut fracassant. Daedalus, wherever you may be right now. Thank you. Oh. What the fuck. J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup moins de dégâts de jouer au shield. Après, c'est peut-être plus solide. Ah ouais, c'est vrai que là je peux spammer ça. Putain, mais faut que je joue range en fait avec le shield. Faut que je joue sur les rebonds et tout. Oh merde, j'ai pris la bombe, j'ai pas fait gaffe. Oh bah faut open. Ça fait des ricochets, c'est tout. C'est tellement stylé. Ok, mon perso il s'arrêtait dans le truc. Fermé? Et pourquoi c'est fermé? Ah, regarde, les grosses fesses. Merci beaucoup pour les abonnements. Ah d'accord, c'est parce que j'avais pas récupéré ça. Ok. Faut que je me familiarise au gameplay de Captain America. Pourquoi ça rebondit pas? Ah d'accord. Ah ouais, c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, exactement lui. Attends, je le voyais pas du tout représenté comme ça. Je le voyais genre... avec environ 60 kilos de gras en plus. Les, merci beaucoup pour les 37 mois de Prime. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Frappé méché. Votre attaque applique l'état intoxiqué. Ok, donc ça met un dot. Technique et méché. Votre technique applique l'état. Ah d'accord, c'est pareil. On va prendre le truc sur la technique du coup, parce que ma technique c'est ça. On va rebondir et faire des dots et leur courir autour. Alors là il y a ça et ça. Je sais pas, on va plutôt prendre ça. Ouais, ça leur met un dot sur la gueule. C'est incroyable. Quel gameplay de lâche. Putain, va falloir que je joue comme un gros lâche. Je cours. Je balance mon petit truc range qui rebondit. Je les laisse mourir de leur dot. Je reste bien à distance. Je suis en full lâcheté là. Oh non, il m'a touché. Nice, j'ai encore récupéré des trucs comme ça. Si je comprends bien, le fait de récupérer comme ça, c'est génial. Parce que ça permet à un gros naze comme moi sur des jeux du type, qui n'a aucune expérience dans les jeux du type et qui ne joue pas à la manette, de si j'y mets la quantité d'heures suffisante, bah je vais stacker tellement de bonus qu'au final je vais torcher le jeu. Parce que mon perso sera overstat.
Ou alors peut-être que je suis un peu trop optimiste là. Ok. Bah franchement, vu que j'ai rien pour me régénérer, jouer comme ça, ça me convient bien. Attends, mais c'est incroyable, il peut pas passer le mur. Et je peux lui stacker les dots dessus. Là, regarde, il y a le nombre de dots qu'il a stacké. Non, il vient. Ok, j'ai récupéré les petites pièces d'or. Les petites pièces d'or, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de venir à côté pour les récupérer. Oh bordel. Oh, j'ai récupéré des petits trucs. Tu crois vraiment que je connais pas? Non mais tu m'as pris pour qui? Tu m'as demandé à moi si je connaissais pas le gâchis? Je le prends presque comme une insulte, sache-le. Mais merci tout de même. Technique éméchée, tac tac. Allez, on fait passer ça niveau 2. On aura des plus gros dots. Ah, ça c'était les petits trucs là qui demandaient les autres. Allez, on va récupérer ça. Je me fais attaquer par des phases. Ok, j'ai perdu trop de vie. Ok, on récupère les gemmes. Ok, il n'y a que ça par là. Allez, je rigole, t'inquiète. Je l'ai pas mal pris. Je les connais toutes. Je connais tout le répertoire qui existe sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bon, pour le moment, je joue en spam clic droit. Je me sers uniquement de ça. C'est trop fort, regardez le dot que je mets. Tout en étant safe. La monnaie des morts. Shiny. Ok, let's go, j'en ai récupéré plein. Alors vous m'avez dit casser les pots sert à rien. Stop hemorrhages now. Survivez pendant... D'accord, je dois survivre. Non! Je pensais que j'allais pouvoir dash par-dessus. Mais mon dash était en CD. Oh bordel, je crois que je vais pas réussir à survivre. Oh, mon perso était stuck. Il m'a touché avec son ventre. Ok, il me reste combien de temps? Putain, il y a même un rayon laser? Je crois que c'était des espèces de cristaux là qui balancent ça. Ok. Ok, j'ai survécu. Qu'est-ce que c'est que ça? Récolter plus 1. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée. Allez, on va continuer. Par contre, je commence à vraiment manquer d'HP là. C'est bientôt la fin. Oh non, ça recommence! Bro, j'ai 16 HP. Jamais je l'ai réussi. J'ai 4 HP, je prends un coup, je suis mort. Moi, grand partisan du face tank, bien sûr que je vais le prendre ce coup. C'est ma passion de face tank. What the fuck? That's what you get. Oui, je suis grandement blessé, au secours.
Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Peau de bronze. Vos ennemis vous infligent moins de dégâts. Votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. Élan divin, ça me paraît fort quand même. J'hésite entre élan divin et peau de bronze. Je pense que je vais prendre élan divin. Parce que pas pouvoir prendre de dégâts pendant le dash, ça me paraît quand même assez clutch. Si c'est bien ça que j'ai compris. Par contre j'ai 5 HP, je vois pas comment je m'en sors là. Parce que ouais, je suis quand même souvent en dash. Bon par contre on avance, mais comment je vais faire pour me régénérer, j'en sais rien. Oh non, ils arrivent de tous les côtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des espèces de mines. Ah, c'est totalement ça, c'est des mines. Ils jettent des mines sur le champ de bataille. Ok. Ça représente des HP, non? Ça veut dire que je vais gagner des HP là-dedans? Je sais pas, on va voir. Oh bordel, est-ce que je vais réussir à passer ça? J'en doute. Oh merde, je me suis stuck dans le décor en plus. Ah mais c'est ça. Oh non. Là, avec leur vieille boule qui balance. Faut que j'arrive à casser les montagnes de tête. Ouh ! Ok. Incroyable ! Let's go, j'ai gagné 25 HP. Go refaire ça du coup. Oh mais ça balance des mines de partout. C'est terrible qu'il me balance des mines comme ça parce que... Oh merde. Je pensais que j'ai pas fait une belle ligne droite. Et moi je disais c'est terrible qu'il me balance des mines comme ça parce que ça me zone. Il y a tellement de zoning. C'est si oppressant quand il y a des trucs comme ça. Ça c'est vraiment l'un des trucs que j'aime le moins dans tous les jeux vidéo. Les pièges par terre, les zones de dot, tous ces trucs qui t'interdisent d'aller à un endroit. Ou qui te font stresser d'aller à un endroit. Ça c'est vraiment pas ce que j'aime. J'aime pas quand tu peux pas te balader librement. Bon, j'ai encore récupéré des HP, ça c'est cool. Ok, ça va être une zone de... T'es qui toi? Qu'est-ce que... D'accord, là faut aller par là. Là on peut payer. On peut payer avec la monnaie des morts. Qu'est-ce que je devrais faire les gens? Peut-être qu'on peut payer tous les trucs. Voilà, genre là j'achète ça. L'éclair il fait quoi? Je sais pas quoi faire. Le problème c'est que je sais pas ce que fait l'éclair. Du coup là je sais ce que ça fait, mais là je sais pas. Il y a juste marqué acheter. C'est un truc de Zeus j'imagine, mais... Qu'est-ce que Zeus va me filer? J'en sais rien. Je sais pas, on va voir la bénédiction de Zeus. Alors... Vengeance céleste. Tous vos ennemis vous infligeant des dégâts. Ouais, mais faut prendre des dégâts en premier lieu et je peux pas en me permettre d'en prendre.
Je préfère ne pas en prendre, quoi. Réflexe foudroyant. Est-ce que vous élancez avant de subir des dégâts de mi à proximité frappés par la foudre? Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Plutôt prendre le tir foudroyant du coup. Mais je regrette un peu, j'aurais préféré prendre les trucs d'HP. Salut à toi mon grand. Ok. Ah d'accord. La seule ligne de dialogue c'était moi qui parlais et lui qui me faisait un... On peut lui offrir une bouteille. À quoi ça sert de lui offrir une bouteille? Parce que là je pourrais continuer dans tous les cas. Bah on va voir, écoutez hein. Tiens, je t'offre une bouteille. You don't have to give me something in return. It was a gift. I don't know what to say, mate. Il m'a donné un sablier au seul. Bien, j'ai pas la moindre idée de ce que ça fait. Just tidying up a bit. Qu'est-ce que c'est que ça? Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. And I can reckon okay. Quite a bit. This is awkward. Hot Sagrius. Not me. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle a une aile? Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. Okay. I'll have to go with the pain. A man after my own heart. Elle se tient bizarrement. Et en plus elle a une aile, ça a aucun sens. Pourquoi t'aurais qu'une seule aile? Attends, on va lui... Tiens. Tiens, on va bien te buter aux dots là. Viens te mettre des gros dots là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais c'est triche! Mais elle fait toute la map! Et en plus, il y a des petits mobs qui l'aident. Et ces mobs, c'est juste une source de difficulté en plus. C'est pas comme dans PoE. Ils vont pas me permettre de régénérer des potions ou quoi que ce soit. Bon, le truc, c'est que taper ces big boys, ça va rebondir sur elle. En vrai, le dash me carry bien ces zones là. Go lui remettre des. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Tiens. La musique est cool. Oh. Ah. Ok. Où est-ce qu'elle est? Tiens. Je sais pas ce que ça fait quand elle tourne sur elle-même comme ça. Ok, là ça me permet de lui mettre des dégâts en tapant son big boy. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, elle turbo spin, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, fait chier, j'avais pas mon dash pour la zone. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? First try, et toi random? Alors, il y a du sang là-dessus. Achilles might know what to do with this. Continuer. Bah, il y a que par là qu'on peut aller. Oh bon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Comment as-tu grrr?
Oh, une fois. Oh. Je suis sûr que c'est des trucs de fou, ça. Fermé. Examiné. None other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. I barge where I please. D'accord. Oh, une Ouah! 20 HP! Et en plus, ça déverrouille! Et là, on peut acheter, et là, on peut vendre. Qu'est-ce qu'on peut vendre? D'accord, on peut vendre des trucs. Non, non, le truc intoxiqué, c'est incroyable. L'élan divin, c'est cool. Et le tir foudroyant, il est pas mal aussi, on va le garder. Non. Et là, on peut acheter quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, cette chimère. Votre technique inflige 40% de dégâts en plus. Pour 6 combats. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est pas... Enfin, c'est éphémère, là. Vos ennemis ont 15% de chance de vous laisser derrière eux de la nourriture à leur mort. Oh, oui! Peut-être ça pour régène. Le petit truc là. Ça en vrai ça m'intéresse pas, mais le petit truc là, œil de la mia, ça vaut le coup ou pas? Parce que je suis vraiment pas full en point de vie. Mais bon, ça me coûte 25. Allez, on va se prendre un petit œil de la mia. Et on va pas prendre les autres trucs. Et là du coup on peut continuer. Oh bon Dieu. Attendez. Now we're getting somewhere. Attendez les gens, j'ai réussi le deuxième stage. Est-ce que ça veut dire que maintenant, si je meurs, c'est ici que je reviendrai? Non? Eh bien me voilà extrêmement triste. Là il y a une clé. Ah! Mais je savais pas! Oh, c'est salaud. Franchement, c'est salaud. C'est salaud. Bah, y'a rien à faire ici. En vrai, j'aime trop l'ambiance. Genre, vraiment. J'aime trop l'ambiance du jeu, là. Bon, on va aller prendre le bateau, y'a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il va nous attaquer. Peut-être que c'est... Ah! Oh! En fait, ça m'obsède parce que ça me rappelle la rivière de feu dans Diablo 2, acte 4. Où il y a des squelettes qui finissent par sortir et essayer de te taper. Là, c'est un peu le même délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il y a un autre bateau. D'accord, des ennemis. Oh, stylé, des morts vivants. Attends, il me latte les couilles. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces mobs? Oh bah, je pense que mon personnage est à la fin de son aventure, là. Ok, on peut aller là. Ah, c'est fermé. Ils sont tellement énervés, eux. Oh, de la nourriture. Oh oui, oui, oui. Non. Pas la laverine. Oh, nice, une clé. Merde! Oh non, les revoilà! Donnez nourriture! Donnez sandwich!
Oh, mais il y a tellement de trucs qui zonent dans cet endroit. Y'a que ça dans ce bestiaire. Y'a pas un petit sandwich qui traîne, non? Hamburger, please, s'il vous plaît. Oh, il a... Non. Encore un. Putain, j'ai 5 HP. J'ai 5 HP et il y a une musique de l'espace. Oh non! Oh! Faut faire très attention ici! Le décor n'est pas ton allié. Oh nice! Petit sandwich là. 10 HP en plus. Merde, c'est toujours fermé. Oh merde, qui c'est lui? Oh oh. Où est ce salaud? Ah, il est parti sur l'autre terrain! Oh non! Oh! Oui, oui! Et là, du coup, on récupère ça. Et c'est terminé, du coup on peut prendre le petit bateau. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ce sont des gorgonitos. Qu'est-ce que... Ah bah merde. Fallait spammer quoi pour me libérer? J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir le petit bouton. Fallait... Il me disait de spammer un bouton pour me libérer, mais j'ai pas le temps de voir quoi. Le spam dash, donc espace. Oh, les secondes, on va mettre des grands coups de barre espace. Améliorer. Technique éméchée. J'avoue, on pourrait augmenter les dégâts de dot. Ouais, on va augmenter les dégâts de dot. Oh, y'a un sandwich! Let's go! 10 points de vie! Ça, j'ai du mal à comprendre. On peut les casser, mais pourquoi? C'est juste pour donner de la vie au jeu? Est-ce qu'on peut les casser, ces pièges? Oh, on peut les activer à distance! Ça, c'est lourd! Alors là, il y a ça, là, il y a ça. Ça, c'est pour de l'argent. Ça, c'est un truc d'Athéna, si j'ai bien compris. Appuyez sur B pour voir la liste de vos bienfaits. Mes bienfaits. Ok. J'étais tout qui fait la commande, ça me met bien. Oh putain de merde. Attends, je dis tout, dès que j'ai un petit coup de mou, j'en parlerai avec toi justement. Bomberman. Tiens. Oh, les slice au cac. Franchement, le dot augmenté, ça carry tellement. Regarde les... Oh non, j'ai plus dit. Oh, les points de vie sont tellement durs à avoir. J'avais pas le droit d'en perdre bêtement comme ça. Comment c'est, il est invulnérable? Ah, d'accord, faut commencer par péter son petit truc. Voilà, et là, on peut le DPS. Des zones de lave, je les avais pas vues. Merde. On va commencer par buter sa merde là, voilà.
maintenant on peut le... Ah. Attends, je me fais tuer par quoi? C'est quoi ça? D'accord, c'est une espèce de mort-vivant. Ok. Ok, super cool. Ça marche, Titou. Alors, acceptez. This one was bound to show up, I guess. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ok. You've got quite the fighting spirit in you there. Oh, il est super cool. Most intriguing. Arès, le super cool dieu de la guerre. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Pulsion meurtrière. Vos attaques techniques et lancées infligent plus de dégâts. Ok, donc ça c'est bien pour tout. Sort d'agonie. Votre attaque applique l'état maudit. Dégâts de malédiction 75. Sort de vengeance. Lorsque vous subissez des dégâts, vous appliquez l'état maudit aux ennemis à proximité. Dégâts de la malédiction 140. J'hésite entre 1 et 2. Ce qui est cool, c'est que le 2, il est bien pour tout, en fait. Vas-y, je vais prendre le 2. Mais la malédiction avait l'air stylée aussi. Après, on peut pas tout prendre. J'attaque pas au cac. C'est vrai que je le fais rarement.